Salut à tous les gars, c'est Babar, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va tout simplement se détendre un petit peu. On va parler un peu, on va faire une petite mission de PDG. Enfin, on va se faire une caisse de marchandises. Donc tout ça dans le plus grand des calmes. Je suis tout seul dans ma session, hein. Comme je vous l'avais dit, c'était préférable bien sûr de faire ça en étant solo dans la session. Donc voilà, session publique, je suis tout seul, c'est perfect. J'ai raté mon jump, c'est pas grave. On va prendre l'hélicoptère et on va se rendre tout de suite au bureau. D'ailleurs, on va s'inscrire en tant que PDG, Secureserve, hop, voilà. Vous êtes maintenant le PDG de l'organisation Babarland. Donc voilà, pour ceux qui ne le savaient pas, mon organisation c'est Babarland. Donc on va se rendre au bureau tout de suite, tranquillement. Et puis on va se lancer donc une petite caisse de marchandises. On va voir ce que ça va nous demander de faire. Donc mon entrepôt, si je me souviens bien, est bientôt plein. Enfin, j'ai 10 caisses sur 16, il me semble. Donc, dites-moi, tiens d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je refasse une vente de caisses en vidéo. En sachant que là, ce sera pas le cas, hein. Ce sera juste de l'achat, ce sera pas la vente. Mais dites-moi ouais, dans les commentaires si vous voulez, une fois que mon entrepôt est plein, que je vous fasse la vente en vidéo. Il me semble que la dernière fois que... Enfin, la première fois que j'avais fait la vente de caisse, il me semble que ça vous avait bien plu. Donc dites-moi si vous voulez revoir ce genre de vidéo. Vu que mon entrepôt est bientôt plein, profitez-en. Et dites-moi encore par rapport à la vidéo que j'avais postée, il me semble hier ou avant-hier, ou même il y a 2 jours maintenant, je sais plus. Quand j'avais customisé la Progen Tyrus, et je vous avais demandé dans quelques vidéos d'après, selon vous, quel véhicule j'achetais en priorité entre je vous avais demandé donc entre le Buggy Red et la Anis. Donc dites-moi entre ces deux véhicules, commencez plutôt à me répondre parce que j'ai pas eu de réponse en fait pour le moment. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires, soit de cette vidéo, soit de la vidéo qui était donc concernée. La liste est longue, mais le Libérateur est là. Je vais le prendre juste pour le kiff. Je vais partir en Libérateur. Donc, vous voyez, c'est le seul véhicule de chez Pegasus que je possède. C'est parce que c'est pas des véhicules qui m'intéressent pour le moment, vu que l'argent est un petit peu compliqué. Enfin, c'est long quand même de se faire pas mal d'argent, et je préfère me Me... Comment ça s'appelle? Ah, je trouve plus mes mots. Je préfère m'acheter tout simplement de beaux véhicules à mettre dans mon garage. Donc les véhicules de Pegasus ne se mettent pas dans le garage. Donc pour l'instant, je m'en occupe pas trop. Mais il n'est pas impossible que prochainement j'économise pour m'acheter, je pense, un hélicoptère. Parce que ça peut servir de temps en temps d'avoir un hélicoptère à disposition. Même si... Oh, je fais n'importe quoi. Le Libérateur, il est vraiment fou. Même si on peut... Ok. Même si on peut vraiment se trouver un hélicoptère facilement et rapidement. Je voulais vraiment me... Enfin, à un moment ou à un autre, m'acheter moi-même mon propre hélicoptère. Que je pourrais appeler et retrouver n'importe où, n'importe quand. Donc voilà, c'est prévu dans mes projets futurs, mais pas pour le moment.
J'avais pensé aussi à l'Hydra, que je voulais m'acheter l'Hydra, mais le souci que j'ai entre guillemets avec l'Hydra, c'est que ça reste un avion de chasse, malgré tout, quoi. Qui soit rapide, puissant, certes, mais ça reste un avion de chasse. Et si je veux un avion de chasse, je peux toujours en prendre un à la base militaire sans souci. Alors vous allez me dire oui, mais si tu dis ça, bah c'est pareil pour l'hélicoptère que tu veux t'acheter. Certes, c'est pareil pour l'hélicoptère que je veux m'acheter. Je peux très bien aller à l'aéroport et m'en prendre un. Voilà. Après, l'Hydra, c'est sûr que je me le prendrais. Voilà, je vous le dis, l'Hydra, c'est sûr. Maintenant, c'est sûr que je me le prendrai, mais ce sera vraiment pas tout de suite, tout de suite, quoi. Je vais d'abord me focaliser sur les véhicules qui m'intéressent, du type le Buggy Red par exemple, du type la Anis, puis d'autres sportives du DLC qui m'intéressent plutôt pas mal. Puis ensuite, on verra pour acheter le petit Hydra et pourquoi pas même un tank. Ça peut être pas mal dans les sessions où il y a du bordel. Des fois, tu ramènes ton tank, ça impressionne, ça fait peur et puis voilà, c'est destructeur quoi. Tu peux pas vraiment faire face à un tank. Donc voilà, c'est dans mes projets, mais voilà, il va falloir attendre quelques mois avant que ça se fasse. Parce que voilà, j'ai d'autres véhicules en attente d'achat, notamment eux. Puis même, je vous en parle pas forcément, mais j'ai d'autres lowriders aussi que j'aimerais bien me procurer. En fait, j'aimerais remplir carrément un garage entier de lowriders. Et donc, vous avez pu voir dans la vidéo de présentation de véhicules que j'en avais déjà 5. Donc, il m'en resterait donc 5 à acheter. Et c'est pas encore le cas, c'est pas encore fait, donc voilà, il y a encore tout ça en attente. Mais sachez que c'est bien dans mes projets à venir. Donc voilà. Pour ce qui est de cette vidéo, je pense que je vais pas la laisser tout de suite. Comme ça, je vais partir faire un tour et je vais peut-être faire une attaque de gang parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'aime bien faire une attaque de gang entre deux caisses de marchandises. Donc je vais aller faire celle qui est pas loin là, à moins qu'elle ne soit pas disponible, mais normalement elle l'est. Logiquement, il y en a une dans le coin. J'essaie de me rappeler. Bah oui, normalement c'est ici. Normalement il y en a une ici. Bon, bah elle est pas disponible, tant pis. On va partir de l'autre côté. Je sais qu'il y en a une pas loin de la Maze Bank. On va aller voir ça tout de suite. Si le véhicule veut bien conduire correctement. Voilà, il y en a une dans le chantier là-bas à droite qui elle est disponible. Donc on va se la faire. Et je me rappelle d'ailleurs, si vous voulez, pour une petite anecdote, un jour j'étais venu ici, j'avais lancé donc ma petite attaque de gang, j'étais bien tranquille, je tuais mes ravisseurs, tout se passait bien, jusqu'au moment en fait où un autre joueur est venu, m'a tué et en fait a terminé l'attaque de gang que j'avais commencé. Alors en fait tout simplement en fait je sais pas si c'est un bug ou si c'est normal, mais j'ai pas eu du tout la petite récompense des 500 RP plus les quelques dollars que j'avais ramassés. Je les avais pas eu en fait, tout simplement. Il avait tout eu pour lui.
Donc je sais pas si c'était normal ou si c'était un bug tout simplement. Mais voilà, j'étais assez... Enfin, j'étais pas content quoi. Je lance mon attaque de gang tranquille et le gars vient, il me tue, puis il prend le butin pour lui. What the fuck? Et il avait un sniper lui ou quoi? Vous avez vu ça? J'ai vu la balle partir et franchement, une balle, ça m'a fini quoi. C'est franchement les attaques de gang, j'aime ça, mais des fois c'est abusé comment le gars il te tue rapidement. C'est juste ouf quoi. Allez. Donc ouais, voilà pour l'anecdote, bah faites gaffe quand vous lancez une attaque de gang, des fois il se pourrait que d'autres joueurs viennent vous embêter à ce moment-là, donc c'est un peu dommage. Même si je pense pas que c'était normal, je pense que c'était plutôt un bug en fait qui me prenne mes récompenses. Ouais, là je vois pas trop les ennemis, puis dès que je les vois ils se cachent, ils sont malins. Hop, toi t'es mort. Là-bas, je te vois. Merde. Voilà. Toi, je t'ai vu aussi. Voilà, je vais mourir. Je vais mourir, je vais mourir. On va se la jouer intelligent. Oh my god, j'ai même pas eu le temps de tirer. Oh, c'est abusé quoi. Le pire dans tout ça, c'est que je regardais par là et il y avait personne. Mais vraiment, hein, il y avait personne. Je reviens, il est là. Bon, allez, toi, tu vas pas me faire chier. Il y a un moment, c'est bon. Toi, tu y restes. Voilà. Toi, tu m'as tué juste avant, tu vas mourir. Voilà. Et le dernier. Il est où le dernier? Il est là. Voilà. Bon bah comme d'habitude les gars, la vidéo va s'arrêter là. Si vous avez aimé, bah mettez-moi un petit like, ça me fera plaisir. Un petit commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. Et puis encore une fois, ce que vous pensez de mes vidéos en général. Donc voilà, dites-moi aussi ce que vous aimeriez plus voir, ce que par contre vous ne voulez plus voir, bah dites-le moi à la rigueur. Et puis j'essaierai de satisfaire tout le monde. Donc voilà, bon bah sur ce, nous on va se laisser là-dessus. Je vous dis à la prochaine pour la suite de nos aventures. Ciao, bye!